sens, Evan. Tu veux rester là ou quoi? Non. Eh ben voilà, ferme ta gueule. Je t'explique, ça va être très simple. Formation 4-4 de losange classique. Tu vas me simuler une gastro, d'accord? Ouais. Le maton, il arrive. Boum, patate, on lui récupère son arme, on va dans le sas. Je vais lui mettre un petit hypercut à la Anthony Joshua et d'après mes calculs, il va tomber KO direct. Là, il y a John Café qui va arriver, le deuxième surveillant. Je compte sur toi et ton service à la Rafael Nadal. Là, on va arriver dans la coursive. Il devrait avoir 2-3 gardiens. Faut être sur ses appuis, efficace et pas faire le con. Une fois qu'on repère les deux gardiens, simple et efficace, une prise du sommeil. Je compte sur toi, tu maîtrises déjà. Il faudra qu'on prenne un surveillant des deux et l'utiliser comme marionnette. À l'accueil, c'est des caves. Il calcule rien, toute la journée, il regarde des vidéos Fortnite. Normalement, il nous ouvre la porte très très rapidement. Une fois la porte ouverte, on la lâche telle une merguez et après on part à droite. Ou à gauche, je me rappelle plus, frère. Tu m'as dit à droite? C'est à droite, à droite, à droite, à droite. Écoute-moi, s'il te plaît, concentre-toi, casse pas les couilles. Tu connais même pas tes plans d'évasion. Là, on sera pas loin du but. Il va avoir un petit escalier et ça grouille de surveillants. Et c'est vraiment à ce moment précis qu'il faudra pas du tout faire le con. Une fois arrivé dans la chaufferie, la sortie est à 30 mètres exactement. Il fait moins 44 degrés, le dernier grillage est dévissé. Tu te casses pas la tête, tu connais du monde. Une fois sorti de la chaufferie, on est à 10 mètres de l'évasion parfaite. On aura juste à prendre une petite bouche d'égout et on sort dans une petite forêt. Tu as compris ou pas, Zeppi? C'est bon, t'es chaud? Oui, c'est bon. Surveillant! Surveillant! Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois qu'il a besoin d'aller à l'infirmerie, hein. Il a la gastro. Bah, c'est normal avec tout le couscous qu'il mange. Ah, c'est un fou, il voulait s'évader, lui! Allez, moi, je vais au sport. Ouais, mamie, une gifle avec sa grande main. Je vois en noir et blanc maintenant. Et ouais, mais c'est à cause de toi, je me retrouve au cachot, ça pue la pisse, j'ai le coccyx, il est cassé. Pourquoi je t'ai écouté? Pourquoi? La vie de ma mère, je savais qu'il fallait pas faire une formation 4-4-2. Je savais qu'il fallait faire 4-3-3 dès le départ.